Smart Move, notre chronique consacrée aux nouvelles mobilités avec MyBus aujourd'hui. Bonjour Frédéric Pacotte. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président fondateur de Monkey Factory qui développe et distribue cette application. MyBus, c'est quoi alors MyBus, c'est une application mobile à destination des usagers des transports en commun et plus largement des mobilités du quotidien. Mmh. Ce qu'on va définir par mobilité douce, partagée, collective, enfin celles qui euh, ont une empreinte carbone euh, la moins forte possible. Euh, voilà en fait hein, ce que ça regroupe. Ouais, donc ça veut dire que sur l'application, on trouve quoi Alors sur l'application, on retrouve bien évidemment les transports en commun, hein, qui mmh. sont la colonne vertébrale euh, d'un plan de mobilité dans une agglomération par exemple, mais on va retrouver aussi du vélo en libre service, on va retrouver de la trottinette. Et puis, on va retrouver aussi de la marche à pied, qui est souvent une bonne alternative. Euh, <laughs> alors pas comme aujourd'hui, euh, puisqu'il peut, oui, oui, peut à Paris. oui. Voilà, exactement. Mais qui, globalement, est aussi euh, quelque chose qui, euh, qui doit faire partie du schéma global de son itinéraire. Ouais. Sur l'application, on choisit et on peut payer aussi son, son moyen de transport Voilà. Alors, MyBus, c'est une, une application qui, est, qui fait à la fois de l'information voyageur, ouais. donc euh, les horaires, le plan, le calcul itinéraire, etc. etc. mais qui, en plus, va permettre d'utiliser son smartphone comme un titre de transport. Euh, et ça, on est capable de le faire dans 120 villes en France. On couvre 375 villes en information voyageurs, ouais. ce qui est presque exhaustif. Euh, D'ailleurs, nos, nos principaux concurrents, qui sont surtout des entreprises issues de la galaxie GAFAM, euh, c'est des, des applications comme Google Maps par exemple, c'est des applications comme Movid d'Intel, elle, elle couvre euh, moins de 100 réseaux en France. Et nous, on a fait un énorme travail depuis maintenant 5 ans pour couvrir l'ensemble de mmh. ces réseaux. Euh, et on est le seul acteur français à porter ce type de service. Ouais. Donc c'est de l'information voyage et c'est aussi du titre de transport et ça on est capable de le faire. On propose dans 120 villes, donc à tous nos utilisateurs on propose dans 120 villes un titre de transport sur smartphone, que ce soit du M mm Ticket -hmm. ou du Ticket SMS. C'est quoi la technologie qui est derrière MyBus alors, euh, la technologie, elle est, elle est, elle est relativement classique. Hein. On n'a mm -hmm. pas, on on pas eu besoin de déposer de brevets. On a simplement eu besoin d'être pragmatique, euh, de consolider énormément de data, mm -hmm. énormément de données, et de mettre en place euh, des plateformes technologiques capables... De mettre en musique l'ensemble de ces données, de coordonner les transports en commun avec d'autres formes de mobilité, de gérer du temps réel, de faire du calcul d'itinéraires qui vont combiner différents réseaux de transport. Mmh. Euh, l'ensemble de notre effort a été concentré là-dessus. Ouais, pourquoi vous l'appelez MyBus alors qu'il y a tous les réseaux de transport dessus Exactement. Alors, euh, le seul point commun de l'ensemble des réseaux de transport, ouais. que ce soit une toute petite ville ou que ce soit une très grande métropole, c'est le bus. Et dans tous ces réseaux, on a toujours au moins. Des lignes de bus. Alors on va pouvoir avoir du métro, on va pouvoir avoir des navettes fluviales. À Lyon, par exemple, on couvre aussi le nucléaire, ce genre de choses. Mais le point commun, c'est le bus. Il hum. euh, y, y a une dimension réglementaire qui est intéressante à, euh, à examiner euh, avec la loi d'orientation des mobilités. Qu'est-ce qui est en oui. train de changer pour un secteur comme le vôtre Il y a une révolution qui est en train de se jouer de ce point de vue-là. Hum. Euh, la loi d'orientation des mobilités, qui a été adoptée euh, en décembre 2019, en fait. Euh, Accélère l'ouverture et l'usage des mobilités. D'abord en ouvrant et en libérant les données liées à la mobilité, mmh. hein, donc les horaires, euh, le temps réel, les calculs itinéraires, j'évoquais tout à plus tôt, d'une part. Euh, et d'autre part, c'est aussi la dérégulation de la vente des types de transport. Alors ça, c'est un enjeu majeur. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à partir du 1er décembre 2021, les collectivités, ce qu'on appelle les autorités organisatrices de mobilité, que mmh. sont les agglomérations, les métropoles, les régions, qui organisent la mobilité sur leur territoire vont devoir permettre aux acteurs privés de ces services numériques de multimodaux de pouvoir vendre des titres de transport dématérialisés. Donc, vous pourrez vendre directement des types de transport, quel que soit l'usage, quel que soit le type de transport choisi par l'usager Voilà, on, on fait déjà pour un certain nombre de réseaux, mais ouais. là, ça va se généraliser. Et bien évidemment, on se positionne et on candidate pour pouvoir faire cette distribution. On a déjà les outils on a déjà un service grand public qui s'appelle MyBus, hein, ouais. qu'on qu a mis en œuvre déjà depuis cinq depuis ans. Et l'idée, c'est d'élargir et d'améliorer ce qu'on appelle la promesse client, qui est d'ailleurs aujourd'hui, c'est plus dans 120 réseaux que vous allez pouvoir voyager avec nous, c'est sur toute la France. En tout cas, c'est notre ambition. Mmh. Et d'ailleurs, tout ça, on a une mission, Hein, parce qu'on se considère comme une entreprise à mission, et j'espère que dans quelques temps on en aura le statut, le statut légal. Euh, on a comme mission d'accélérer l'usage des mobilités dites durables et inclusives, mm -hmm. et on est convaincu que les transports en commun, les mobilités douces et partagées, sont un acte fort dans le cadre d'un schéma global de développement durable. Ouais. Et d'ailleurs, si on se projette dans, dans un avenir là à, à court ou moyen terme, c'est vrai que la, la, la crise que l'on traverse encore, elle a retirer du marché des transports en commun pas mal d'usagers. Oui. le défi c'est de les faire revenir. Alors, ça a été... Et ça peut prendre un peu de temps. Oui, alors c'est paradoxal parce que le, le, la crise sanitaire a été à la fois un frein et un accélérateur mmh. de, de ce marché. Ça a été un frein au niveau de l'usage, puisque bien évidemment, euh, avec les périodes de confinement, mmh. euh, moins de déplacements, beaucoup moins de gens dans les transports en commun, de, des baisses assez drastiques. Mais parallèlement, ça a fait prendre conscience aux acteurs publics que les solutions digitalisées, les solutions de dématérialisation étaient souvent mmh. un très bon une très bonne alternative à des moyens beaucoup plus classiques, euh, était beaucoup plus simple à déployer. Donc à la fois il voilà, y, y a du bon et du moins bon nous on a pris, on a pris la part la part positive de tout ça et ben voilà merci beaucoup Frédéric Pacot bon vent à, à votre appli euh, MyBus voilà c'est la fin de cette émission merci euh, à Olivia Dobré à toutes les équipes de Bismart euh, qui étaient à mes côtés aujourd'hui et comme toute la, euh, pendant toute la semaine avec, euh, avec Smart Impact on se retrouve euh, le week-end prochain pour Futur et dès lundi pour Smart Impact euh, l'émission de la RSE responsabilité sociale sociétale et environnementale des entreprises, salut à tous, vous pouvez revenir en mai 2021. Ce programme vous a été présenté par Seat.